Ok, Yuval, Vertimail.com, J-3 avant le championnat de France, un événement qui se veut et qui va être magnifique. On remercie, là je parle au nom du staff, on remercie toutes les personnes qui nous ont aidés, qui ont cru en nous, notamment, bah voilà, je vais les citer un petit peu une feuille de tête, notamment l'ARK, la Blackout, grâce à Missy qui a fait un grand meeting. L'Electrofamous, la mafia aussi, ça m'a fait plaisir de les voir faire une vidéo, ça prouve que voilà, ils sont vraiment intègres, hein, vraiment. Kamel avec son trailer, Mediotech aussi qui a fait un trailer, et Trixie Spock qui ont fait une vidéo magnifique dédicace à Night Dream. Je voudrais dire que ce jour-là, même si nous, le Star Vertify, on peut avoir des différends avec certains danseurs ou certains bastions, allez savoir, ce jour-là on ne fera qu'un. Les histoires n'existent même pas, on s'en fout. Ce jour-là, on est là pour la culture électro. Voilà, mettez de l'eau dans votre vin. Nous, on va commencer déjà directement, puisque la preuve, on invite DG, notamment Kevin qui n'est plus DG, mais ça ne fait rien pour nous, voilà, on mettra sur la liste. Kevin Tordersen, Fozzy, Eric Tourne. S'ils sont assez intelligents, je parle pas pour Kevin, mais je parle plus pour Eric Tourne et Fozzy, et ben ils verront. Au championnat de France, voilà, parce que nous on les a vus pour une raison qui est toute simple, ils ont apporté la culture électro au moment où nous on n'était pas là, donc on les reconnaît pour leur travail, il n'y a pas de souci. Un grand, grand, grand merci à Tectonique, à Cyril, Alex et Mehdi, qui nous ont beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. Grosse dédicace à l'homme qu'on appelle Maxime, le futur Electro Soldier, le futur Staff Vertify, Maxime, donc de Reims, ou de Metz, si je dis pas de bêtises. Un gros événement, championnat de France, 18 teams qui vont arriver, je n'ai pas un échantillon de l'univers de ce qui va être proposé, je ne sais pas. De DJ en or, DJ Frey, DJ Frédéric et DJ Cobb. Voilà. Donc pendant ce temps-là, ils vont faire office sur les platines de grands leaders du championnat de France, il faut savoir qu'à ce moment-là, vous êtes plus spectateur, vous êtes acteur de l'événement. Et je sais personnellement, parce que je reçois beaucoup de MP, où je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont se régler. Il y en a qui viennent pas forcément pour danser, mais plus pour régler des comptes, d'autres qui veulent faire des guet-apens. Enfin voilà, le public, petit ou grand en termes de notoriété, il sera mélangé avec aux plus grandes stars de l'électro sur la planète. Faut pas oublier une chose, c'est que le monde nous regarde. Ça va être un jour marqué d'une croix en or. Voilà, c'est quand même le championnat de France de danse électro. Ça vient de la France entière. J'ai carrément les États-Unis qui venaient aussi, et pas mal d'autres pays d'Europe. On va être à peu près 1000, voilà. 1000 ou peut-être un peu plus, je ne sais pas. Mais ce qui compte pour moi, personnellement, ce qui compte pour le plus important, c'est que tout le monde repart avec des étoiles plein les yeux, tout le monde se dit, je continue à danser. Voilà, c'est mon mouvement, j'en suis fier, je marche la tête haute. Aujourd'hui, je suis un danseur électro et je l'assume. Aujourd'hui, on a quand même le championnat de France. Donc maintenant, il ne faut plus nous regarder comme si, voilà, aujourd'hui, on est votre égal. Quand je dis votre égal, on se comprend, on ne peut pas se mesurer à 30 ans d'histoire non plus, mais ce que je veux dire, c'est que petit à petit, on avance dans la même direction que la culture hip-hop, et pourquoi pas, un futur championnat du monde, voilà. Et là, on pourra dire que franchement, on aura fait un petit peu ce que Armstrong a fait quand il est monté sur la Lune, un pas de géant. Pour conclure, eh ben, je dirais franchement, et ça vient du cœur, un grand merci à tous les gens qui nous ont aidés, venez nombreux au championnat de France. C'est pas forcément Vertify qu'on a besoin, c'est toute la culture électro qu'on a besoin. Plus il y aura du monde, plus les danseurs, quand ils vont venir, plus ces virtuoses de ce moment ils vont venir et faire une prestation devant vous, plus ils seront. Il y aura une magie dans leurs yeux. Parce qu'ils ont besoin d'avoir un public qui les acclame, qui les motive, qui les encense, qui est présent. Voilà. Ils ont besoin, ils ont travaillé. Ils ont travaillé non seulement pour arriver à la finalité, être présent, participer et gagner, mais ils ont aussi travaillé pour montrer qu'ils existent au sein d'un public qui se dit électro et qui doit être présent. Pour les personnes qui ne peuvent pas être présentes et qui m'envoient des messages en disant je m'excuse, je pourrais pas venir, le prenez pas mal, mais on s'en fout. On n'a pas besoin de savoir que vous venez pas. Je veux dire, on va pas remplir des gradins et sur les deux derniers gradins marquer en gros une grosse banderole en marquant. En parlant à votre place, je m'excuse de ne pas être venu. Les gens, ils ont besoin d'avoir des gradins remplis, pas des gradins vides avec des mots d'excuses. Si vous ne pouvez pas venir parce que vous avez des problèmes d'argent, c'est compréhensible. Tout le monde a des soucis. Nous-mêmes, on en a. Mais ce que je veux dire, c'est,
on n'est pas forcé de le savoir. On a besoin de comptabiliser les gens qui viennent, pas les gens qui viennent pas. Voilà. C'est le problème est pas mal, mais pour que ce mouvement devienne une culture, il faut qu'à un moment donné, les gens ils s'impliquent, ils se responsabilisent et qu'ils viennent. On a besoin de tout le monde. On jette la pierre sur personne. Encore une fois, je l'ai dit, ceux qui ont des soucis ou n'importe quoi, vous pouvez pas me dire, c'est compréhensible, mais on veut pas le savoir. Ça ne nous regarde pas. On va pas faire du cas par cas, c'est votre monde, c'est votre vie, c'est votre vision. Moi-même, il y a eu des moments où j'ai pas forcément de l'argent, mais comme je suis un passionné et je suis impliqué dans tout ce que je fais, eh ben je cassais ma tirée, mon petit cochon, et hop, et c'est parti. Et je vrai. Et c'est comme ça. Et dans tout, et dans toutes les cultures, vous avez des passionnés et des gens qui, à un moment donné, eh ben, ils font les choses pour. On ne vous demande pas de venir à tous les Vertify tout au long de l'année. On vous demande juste de venir pour un jour. Parce que c'est le jour. Voilà. C'est le jour en or. C'est le jour qui va symboliser beaucoup de choses. C'est le tournant de la culture électro. C'est le championnat de France. Si un jour vous devez venir, c'est celui-là. Voilà. On annoncera 3 ou 4 grosses nouvelles au championnat de France. Je pense peut-être que c'est Stéligum qui le fera. Voilà. On est fiers de tous ces groupes qui vont venir. Ils vont venir vous représenter, mais aussi nous représenter. Voilà. Franchement, on est fiers du résultat. On y est. À moins 3 jours du championnat de France. Attention, roulement de tambour. Nous aussi, on a un peu d'angoisse. On stresse. On espère qu'il y aura beaucoup, beaucoup de monde. On espère que le spectacle sera à la hauteur. On espère que les gens ils vont repartir avec un visage, un sourire magnifique, un smile. Et qu'ils vont pouvoir aller sur les forums et raconter à quel point ils sont fiers d'être des danseurs électro ou d'en faire partie. Et ce jour-là, on ne fera qu'un. Voilà. Les histoires, faut les mettre de côté. On s'en fout. Aujourd'hui, on va essayer un petit peu d'avancer. Encore une fois, merci à tous les gens qui nous ont aidés. Et c'est votre jour. Voilà. Pensez comme ça. C'est votre jour. C'est votre moment. Il n'y a même pas de mots pour décrire à quel point ça va être quelque chose de magnifique. Mais pour le rendre magnifique, ça ne tient qu'à vous. Nous, on a fait déjà le petit pas de souris. Le grand pas d'éléphant, c'est à vous de le faire. Donc voilà, chacun y voit comme il veut. Un grand merci à tous les gens qui nous ont soutenus. Et bonne chance à toutes les équipes qui vont se confronter. Parce qu'il n'y a personne qui vient pour participer. Tout le monde vient pour la même chose. Ils veulent pouvoir être qualifiés pour pouvoir faire les battles. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, je sais que la menace peut venir du sud. Méfiez-vous bien. Peace.